Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un défi make-up. En effet, je vais vous montrer comment on peut réaliser le make-up que je porte actuellement en 3 minutes seulement. Pourquoi 3 minutes? D'une part, parce que c'est un défi assez drôle et que c'est quand même une vidéo qui du coup va pas me prendre très longtemps à être tournée. Si parce que c'est le sujet d'un défi lancé par le site The Beautist en partenariat avec NYX Cosmetics. À l'issue de ce premier défi, The Beautist va sélectionner 30 youtubeuses à partir des votes, mais probablement aussi à partir d'un jury, qui passeront un deuxième défi avec un colis de produits NYX à utiliser pour participer au défi. Donc je trouvais l'idée vraiment sympa, donc d'une part parce que ça me donne des idées de vidéos, mais d'autre part parce que forcément j'ai envie d'être dans les 30 sélectionnés. De ce fait, si vous aimez le tuto que vous allez voir juste après, je vous invite à aller voter pour moi. Je sais pas du tout si ça se voit en vidéo, mais moi je voyais le minuteur défiler et je me disais ah, il me reste 20 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire en 20 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire en 20 secondes. Et bah figurez-vous qu'en 20 secondes on peut mettre du mascara, voilà. Mon maquillage n'est pas du tout complet par rapport à ce que je ferais d'habitude, mes sourcils ne sont pas dessinés, mais d'un autre côté j'ai une forme de sourcil où ça passe, donc je pourrais sortir comme ça. J'ai pas poudré mon visage, ce qui fait que bah, je vais sans doute briller dans quelques temps. Mais dans l'ensemble je trouve que le résultat est pas trop mal. Je pense que pour ce genre de défi en 3 minutes pour faire un maquillage vraiment qui se voit et compagnie, bah du coup on mise tout sur le rouge à lèvres, donc dans mon cas c'est le rouge à lèvres Control de la marque Ilamasqua. C'est un très beau violet que j'adore et il se suffit à lui-même. De ce fait, les matins où j'ai la flemme, vous avez compris comment je me maquille, je me mets un pauvre à plat sur la paupière, du liner bien étiré et un rouge à lèvres qui pète et tout de suite vous avez l'air super maquillé alors qu'en fait bah, pas du tout.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a montré qu'il ne faut pas forcément 40 000 heures pour se maquiller, que vous avez envie d'acheter ce superbe rouge à lèvres parce qu'il est juste trop beau et que le violet à lèvres, c'est la vie. Et évidemment, je vous serai éternellement reconnaissant si vous allez voter pour moi dans le petit lien qu'il y aura en barre d'infos ou dans l'article pour que je puisse faire partie des 30 finalistes de The Beautist. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir, ou alors laissez-moi juste un pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !